Opération surprise a voté, la police te mené mardi 17 avril là, dans Cité Plus, zone bicentenaire Port-au-Prince, une zone qui est en bas contrôle gang armé, t'a fait 2 blessés pour pupiti dans camp bandit. Selon information directeur départemental PNH là, Berson Souljour. Pour directeur général institution policière, Michael Gédéon, la police atteint objectif l'été visé. Les gens ont une certaine résistance en dedans. Mais pour le moins, ça, il faut chercher comme détail par rapport à l'opération que nous avons planifiée sous en dedans. Intervention avec Chablende dans Cité Plus entraîne dans le cadre d'une série d'opérations. Force spécialisée la police compte mener pour pacifier quartier qui en bas contrôle gang. Automatiquement que nous avons touché des questions bien et ensemble d'actions déposées. Et Jean nous-mêmes nous dit et nous engager, nous nous maintenons position. Et pas de raison de nous loi. Et je dis on a travaillé dans le sens pour nous capables de pacifier plusieurs quartiers en dramatisant. Dans ce sens, porte-parole PNH là, François Bou, confirmé arrestation de suspects importants dans le cadre d'enquête des CPJ menée sous disparition journaliste Vladimir Le Gagneur. Opération surprise à police a fait un jour après déclaration président haïtien Jovenel Moïse après le tessoti dans le sommet Pérou. Chef l'État a demandé PNH prend toute disposition pour pacifier quartier qui en bas contrôle gang à Meyo. Ça, c'est capital. Nouveaux agents du corps d'intervention et de maintien de l'ordre de la PNH. La protection des vies et des biens est l'essentiel de votre mission constitutionnelle. Le message que je veux vous transmettre ce matin s'énonce en ces termes. Quel que soit votre degré de professionnalisme dans les interventions, si vous violez les droits humains, vous passez à côté du génie des vrais professionnels. Dans la formule du professionnalisme des unités de maintien de l'ordre, le respect des droits humains est une constante. Il faut toujours l'avoir en tête, quel que soit le type de situation auquel vous faites face. Les uns et les autres exerceront sur vous des pressions en fonction de leur agenda et de leurs intérêts. Mais vous, en tant que professionnel, agissez toujours selon la loi, les règlements et les autres textes normatifs qui régissent l'institution policière. Ce sera votre seule planche de salut face aux critiques acerbes liées au contexte et aux circonstances. Ce sera votre seule planche de salut quand vous serez seul pour répondre aux questions.